anticiper ce événement. Donc on a des événements, c'est vrai qu'il y a des événements, nous ne pouvons pas fixer dans le temps, nous ne pouvons pas dire c'est tel l'heure à venir. Et c'est ça qui est plus important dans la question de tremblement de terre. Là. C'est que lui-même, nous ne pouvons pas. Il y a un cyclone, nous sommes capables de cyclone, nous avons un week-end, ça, la fait 3 jours, la fait 2 jours. Comment vous pouvez voir un cyclone là? Vous pouvez préparer davantage. Vous pouvez mettre tout plein. Parce que vous connaissez, vous pouvez agir. Le cyclone qui est dans 2 jours, 3 jours. Mais tremblement de terre, là, il n'y a pas qu'à fixer le temps. La privée. Et ça permet de mobilisation, sensibilisation, c'est ce bagage permanent. Ce bagage permanent. Donc, il doit entrer dans l'éducation, si vous voulez. Il doit entrer dans le curriculum, l'école. Tout côté de monde réuni, dans l'église, dans l'université, il faut que, je dis, éduquer la population pour faire face à phénomène de tremblement de terre là, parce que de toute façon la privée quand même et nous par contre qui l'a privée. Ouais, c'est qu'on y a nous en pile institution qui commence à faire des exercices et simulation qui avant battre bien là. Bon, faut continuer et me crois que pour alors comme dans l'état, il y a une première institution qui premier concernant c'est bureau des mines et d'énergie. Ça dit faut commencer par lui-même, ça veut dire commencer par lui-même, c'est renforcer capacité ses moyens d'action. Pour que l'on capable de faire travailler. Parce que le bureau des mines, ça passe. Il y a un pile technicien, il y a un pile monde qui connaît la question sismique. Il y a des cadres. Le bureau des mines n'a pas de problème de ressources humaines, bon, naturellement. Il y a un problème de quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de techniciens, assez de sinon pour le répartir sur ensemble BIA. Mais nous avons avantage que nous gagnons dans le bureau des mines, il y a des gens qui gagnent plus que peut-être 20 ou 30 ans dans l'institution. Qui connaît qui passe tout directeur général qui est grand avant, qui connaît là, un ensemble de cadres dans le bureau des mines qui connaît la question sismique. Donc maintenant, une institution comme ça, l'irrité pour que l'État balle plus appui. Et c'est là, la commission Minak Énergie, pour faire travail panne. Pendant qu'on a contrôlé le travail du bureau des mines à travers le ministère de la République, mais en même temps, tout, on a conscient tout de moyens qu'il manquait. Et que dans le budget pays a pour une meilleure répartition. Ça veut dire qu'il y a des institutions d'importance vitale, et je dis vitale, parce que c'est la vie nous-mêmes comme population qu'il y a question ça. Donc il faut qu'il y ait plus attention, il faut qu'il y ait plus d'appui budgétaire. Je viens de parler pratiquement un bail transversal, parce que le bureau mine pratiquement. Et dans le cadre de travail, il y a bien voulu faire intervention, soit formation, cadre la mettre sous terrain pour et l'école tout avec l'école, tant que tu as parlé de l'école nationale de géologie appliquée. Justement, donc c'est ça que je dis, faut gagner moyen budgétaire pour les faire tout le travail ça. Et je crois que c'est bureau des mines gagne moyen budgétaire. Dans la commission, forme de commission, tout parce que nous gagne pour faire très prochainement tourner dans sur toutes les failles septentrionales là, nous gagne commission gagne pour aller Wanamet. Nous gagnons pour aller Fort Liberté, nous pour aller au Cap, et éventuellement pour le Paix. Alors, c'est pour la faille septentrionale. Donc, nous gagnons pour aller planifier ça avec le bureau Chamnan pour que la commission fait tourner ça. Et pas dit commission, moi je remarque qu'il y a des députés qui parlent dans la commission mine énergie, mais qui sont très très intéressés à problème sismique. Ouais. Quand on par exemple aux députés, quand vous êtes député, Jude Jean de Boucancaré qui monte en pile intérêt sans faire partie de la commission. Ouais. Donc nous parlons, mais nous pas limité dans sous faille septentrionale là, nous parlons et fait tourner ça autour sur toute ligne faille Enriquillo Plantin Garden là. Parce que ça qui passait, c'est que en 2010, après 2010, tout le monde croyait que c'était faille ça qui était libéré énergie. Pas bien que ce faille de près de 270 km. Alors, la petite faille qui a libéré l'énergie en janvier 2010, c'est aussi faille de moins de 50 km, la faille de Léogane. Alors, grande faille, Enriquillo, a son faille de près de 270 km que l'il est, sorti depuis Tiburon pour la position de la République dominicaine. Donc, faille ça, la pas magasin énergie toujours. La subi des tensions mécaniques. Aussi le fait de emmagasiner énergie toujours pour libérer énergie et là pour faire donc faire Enriquillo, c'est pas grand doute que le pape libère énergie qui beaucoup plus que tremblement de terre 2010 ouais, et nous constater malgré que c'était faille de l'éogane qui était fait des gaz à eau
dans tout environnement Port-au-Prince, dans toute zone métropolitaine. Non? Mais la grande faille de Henri Kiyo, c'est lui-même qui libère l'énergie. Nous devant une situation qui est beaucoup plus grave. D'où il est nécessaire pour nous préparer la population, hein, préparer les responsables de construction dans le pays, pour prendre des mesures pour que le pays soit plus protégé. Donc nous-mêmes, dans la commission mine énergie, et alors on a fait tourner non seulement sur la bande septentrionale, mais on a fait tourner en tout, par exemple, dans la zone sud là, dans toute zone côté Faye, Henri Kiyo. Où est là, c'est nous, au niveau du Parlement, c'est nous bon, exécutif là et présenté le projet de loi de finances là, il mettait l'argent, il dit côté bon, nous-mêmes nous là nous avons fait des affectations yo. Alors que qu'on y a regardé et n'a parlé que bureau mine il y a trop petit cop dans le budget par rapport à travail, il faut dire que il faut pas faire des affectations. Il faut dire qu'en septembre, il faut dire qu'en septembre dernier, que moi-même comme président commission mine énergie, moi j'ai fait remarque là avec commission, parce que en général tout président commission a un droit. Les questions de budget, tout président commission permanente a un droit chita avec commission finance dans la préparation et l'analyse budgétaire. C'est ça règlement chamnan prévoit. Moi je me fais remarquer nécessité pour nous pas quitter bureau des mines avec 60 millions de goudes. Alors état d'esprit, on connaît session était à peine à 2 jours, était presque pas terminé pendant 2 jours. À quelques jours session, il y avait la pression de subvention qui t'a accordé à aussi le monde de la fonction publique, etc. Donc il fallait que le budget ait été voté. Comme nous-mêmes, nous n'étions pas en vacances. Contrairement à Sénat, lui-même qui a bon petit temps pour le travail sous lui, nous-mêmes, nous n'étions pas en vacances. Et le deuxième lundi, mois de septembre, nous avons dit que c'était une forme de précipitation, une forme de marché pressé. Ce qui fait que l'état d'esprit, comme pour le 18-19 là, et nous t'as supposé joindre, nous t'as supposé convoquer dans l'extraordinaire pour après vacances. Alors, état d'esprit que j'ai dégagé, c'était quitter question ça pour 18-19 là. Alors, quelques députés m'ont discuté ça avec eux, c'était réaction ça. Comprenez? Et vu qu'on est après crise carburant, une bonne prévision a été faite sur rectificatif là, qui a été obligé et baisser. C'était bien ces prévisions ça à cause de manque à gagner que tu gagnes sur bagage pour problème carburant. Donc qui fait que ce que j'ai compris, même si c'est avec frustration, même tu comprends, même tu paré de toute façon pour budget 18-19 ans, que ce soit sous forme de rectificatif que la pierre, m'étais préparé moi-même pour que moi te retourne dans la bataille ça pour le bureau des mines. Pour que nous tenions justement, pour nous tenions une augmentation budgétaire là. Moi, je vous dis, à ce qui a passé dans le pays, il y a plusieurs députés qui sont qui ont une circonscription qui quand même frappé par le tremblement de terre de 5.9 ça. Moi, je crois que l'esprit est beaucoup plus préparé qu'on y a pour recevoir l'idée d'augmenter le budget bureau des mines et de l'énergie. Et même, quand on me dit tout, que nous prenons le travail pour que l'École nationale de géologie appliquée, qu'elle ait une certaine attention de la part de l'État. Ok, nous toujours garder à chaque fois situation ça arrive, on dirait qu'il y a des bon, m'a dit qu'il y a deux monde qui mais ça fait affaire une série de monde, même gens ça fait affaire tout une série de institutions, soit nationales ou internationales qui débarquaient, ils viennent aider, ben ils aident, il y avait des têtes tout, ça arrivait en 2010, donc et leçon ça a besoin de garder comme responsable l'État. Qui leçon de tirer pour pas gagner deux monde qui étaient venus dans bas sous base ou vienne aider alors que victime yo pas joine aide ça méritait a pas de monde qui dit venir aider après ça lui même étant doit attendre mettre en cop qui dépenser ou pas résultat. Alors donc moi en tant que président commission mine énergie, moi beaucoup plus intéressé par la prévention, c'est-à-dire que par l'anticipation sur les événements, plutôt sur la gestion post-catastrophe. Nous connaissons que, et ce n'est pas même travail bureau des mines et d'énergie, comme si c'est le secteur qui a question sismologie. Et ça, c'est le travail de la direction de la protection civile, secrétaire permanent, il y aurait ces désastres. Ils même en général, ils ont occupé de l'aspect gestion. Bon, ils ont fait prévention, ils ont fait alerte, tout, mais c'est eux-mêmes qui sont responsables de toute infrastructure
post-catastrophe, là. C'est-à-dire que secours, intervention sur le terrain après catastrophe, etc. Donc, je travaille aussi des gens qui travaillent pas, qui pour contrôler le bureau des mines à travers le ministère des Travaux publics. Ils ne sont pas vraiment trop intéressés par gestion. Non, mauvaise gestion. Mauvaise gestion aide là par. Mais justement, il n'est pas tellement intéressant. Il n'est pas trop intéressant. Non, bah, que non, aide non, qui non, destine. Non, je vais vous dire quand même, oui. Ouais. Même d'abord, il n'est pas un premier chef intéressé comme président de commission de ce qui se fait après catastrophe en termes de gestion et d'intervention. Mais maintenant, comme homme politique, comme parlementaire, comme citoyen, etc., donc ça doit être un problème effectivement. Et que y a des gens qui profitent chaque fois que la catastrophe arrive pour régler les affaires. Et c'est peut-être ça que tu as fait. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à la prévention, qui ne sont pas intéressés à l'anticipation dans le palier là. Mais de toute façon, moi, observé que il semble que le gouvernement, à travers le Premier ministre, il prend des mesures pour, être capable de dire, pas centraliser, mais coordonner. Coordonner toute action post catastrophe. C'est-à-dire que quelle que soit l'entité, qu'il est public, qu'il est privé, et depuis que vous voulez intervenir en matière de secours, vous voulez intervenir, etc., il faut que ça soit fait conjointement avec et les autorités de l'État, je crois la direction de la protection civile, quelque chose de ce genre. Et c'est ça, avec les coun, les centres, etc. Les centres d'opération d'urgence. Je crois que gagner ou pas comme ça. Que c'est entité ça yo qui a pour coordonner tout ça qui a rapport avec secours, donc pour diminuer la possibilité que moun a profité de catastrophe pour faire beurre. Qu'on a qui ça et nous mêmes au niveau parlement qui ça nous fait en termes de Waldimbo, on connaît gain de période et en plus monde t'a mobilisé. Que le député, que le sénateur, en plein état mobilisé, vous fait montrer, nous allons intervenir, nous allons aider, nous allons aider. Mais je dis à la situation difficile, le Grand Nord, Nord-Ouest, on partit dans le Nord avec dans la Tibonite qui frappe là. Comment le Parlement manifeste solidarité là? Qui ça nous fait? Bon, depuis le bail, ça arrive. Non, moi, je connais plusieurs délégations de parlementaires qui ont visité d'autres collègues qui frappaient, etc. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Mais quand on me dit que si ça a bien en termes de relations humaines, en termes de solidarité, c'est très bien. Même pas c'est pour les bagages pour les parlementaires, je fais ça qui est essentiel là, c'est plutôt l'anticipation. Je veux dire que dans la prochaine discussion qu'on va faire sur le budget, le meilleur bagage pour les parlementaires fait. Pour côté frappé, ou côté parler, puis frapper, puis devant, et pour un éventuel tremblement de terre, le meilleur bagage pour les parlementaires fait, en plus de le visiter, à le faire solidarité, c'est justement l'heure de faire discussion sur le budget pour nous bail moyen à institution, que ce soit institution d'action, bureau des mines qui a une mission même pour agir dans le domaine là, que ce soit les écoles de formation tant qu'au école nationale de juridique appliqué, que ce soit les institutions tout qu'au ONEV, Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité. Par exemple, bon, malheureusement que CNM, le Centre national de météorologie, que yo fondé dans l'unité hydrométéorologique et que nous pas vraiment attendu CNM longtemps, que nous avons attendu. Mais ce type d'institution, ça, je pense que les parlementaires, dans la prochaine discussion budgétaire, sous budget, pour yo tenir compte de ça. Bon, c'est-à-dire que si on pas tenir compte de ça, on parle toujours besoin à l'avenir, puis on parle déplacer, faire visite, faire solidarité, etc. Bah bon, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. C'est très bien, oui, m'apprécier ces déplacements, ces visites, oui. C'est très bien, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, le fondamental, c'est justement prendre les mesures d'anticipation. C'est-à-dire que pour renforcer la résilience population, renforcer la résilience pays, face à phénomène ça. Nos situations, bon, m'oblige de constat m'a présenté dans façon moun yo a fait construction encore aujourd'hui. Yo pas gagné presque sans autorisation. Génie municipal yo pas impliqué. Donc moun yo pas déplacé à la mairie, elle prend autorisation pour construire. Bon. Ou gagné deux moun même qui même utilisé de fer qui était dans
qui crasé dans l'autre ancien caille qui était crasé dans le 12 janvier 2010 pour faire construction. Ça passait au vu au sud de tout le monde. Bon, ça c'est un problème de articulation au niveau de l'État. Non, la mairie a une responsabilité, mon connait mairie le avant bail au permis de construire, au permis de construire on est normalement la loi te prévoit dans cadre plan directeur aménagement que la loi te prévoit par exemple la direction des travaux faut dossier à aller dans la direction des travaux pour regarder par rapport à schéma global d'aménagement, est-ce que ça correspond à aussi le critère, aussi le nom. Maintenant, pour retourner dans la mairie avec elle, mais malheureusement, il y a un problème de délai, un problème de, d'articulation entre travail. Par exemple, il y a des mairies qui reprochent que pour les dossiers à aller dans les travaux publics, il y a après jusqu'à 7-8 mois, jusqu'à 1 an. Pendant ce temps, il y a une nécessité de construire. Ouais, donc un problème de suivi qui fait que bon, bah elle a vienne réduire à mairie seulement et mairie. C'est pas mairie à tout. Et mairie qu'on capacité. Non, mais mairie qu'on pas gain suffisamment d'expertise pour ça tout, parce que en regard les conditions mairie à part de quelques mairies qui gagne des recettes fiscales qui cap plus ou moins bah ingénieur payer deux trois ingénieurs. Bon service municipal qui gagne plus ou moins deux trois ingénieurs et pas toute mairie dans pays a qui capacité de pour payer pour un bon service de régime municipal. Bon, mettez à la corruption que moun yo bay permis autour au petit bonheur, c'est-à-dire que au bail avec fantaisie etc. Donc tout ce facteur ça vient jouer que le problème respect normes construction vient pas vient piétiner, donc qui fait que nous dans situation que nous y a là. Mais bail ça c'est au niveau de l'État puis dans son ensemble pour signer un schéma global d'aménagement pour justement un rapprochement un travail beaucoup plus proche qui fait entre organisme central, donc direction des travaux du ministère public, avec les services de génie municipal des mairies. Ok, bon, ça, bon, bon relation entre quantité de dégâts qui fait chaque fois qu'on tremblement de dépassé avec construction. Yo. Construction, ça c'est clair que bâtiment public, le caïmon a prêté, tout ça. Bon, là, on est très bien placé pour expliquer, en plus, où c'est président de la commission Minak Énergie, où sont anciens magistrats. Donc, qui première étape, parce que c'est un ensemble de cas qui est mal construit, qui fait depuis la passé, qui a écrasé, qui mourir, ok. Qui première démarche, un monde qui est intéressé à construire un cas. Nous, bon, première démarche, on fait c'est dans la mairie, on va aller avec plan, d'abord avec type de propriété, on va aller avec plan de construction, et pour faire demande le permis de construire. Vous comprenez? Donc maintenant, la mairie a voué le dossier dans les travaux publics pour nous garder parce que quand même, c'est que l'État, de manière centrale, dit qu'on a un schéma global d'aménagement. Vous comprenez? Donc, le SA pour direction des travaux lui-même, t'as baillé à vie, t'as baillé, etc. Donc, malheureusement, c'est l'articulation, ça n'est pas fait, qui fait que la ville révolue, qu'on y a bon mairie, on fait baillé là pour continuer. Mais normalement, ce baillé qui est de fait entre organisme et local, yo, et l'organisme central que c'est des travaux publics. Mm-hmm. Bon, on est capable de dire peut-être dans la zone métropolitaine, dans la proximité de mairie par rapport à direction des travaux publics, mais il y a des provinces, des communes par rapport à la direction départementale, ils étaient chargés. Donc, qui fait une absence d'articulation, qui fait que. Bon, et puis, il y a l'autre facteur pour nous dire tout. L'autre facteur pour nous dire tout, c'est pays globalement, l'État, c'est-à-dire la gouvernance publique, la gestion publique. Question de sécurité, question de l'ordre public. Construction, je veux dire. Alors, on a parlé là de monde qui fait des marches quand même, quand la mairie, puis on a permis de construction, et monde qui va faire du tout. Récemment, je suis parrain d'une promotion université qui a gradué. Et puis, quelques temps avant d'aller dans la cérémonie, et puis, je suis allé dans le domaine, je suis allé presque. Voisin à deux temps, je regarde mon Miragouane, comment bidonville monte, caille bidonville monte, et puis me dit, mais c'est grave. Ce n'est pas Port-au-Prince encore. C'est nos grandes villes de province, qui c'est Saint-Marc, qui c'est Au-Cap, qui c'est Gonaïve, qui c'est Miragouane, c'est grande ville de New York, qui a un phénomène de. Et puis moi, je dis, un docteur en sociologie qui t'a parlé ensemble. Et puis, je me dis, mais ça n'est pas différent de Vallée de Boudon, de Monde, Bocan à Pévère. J'aime, jalousie, j'ai caillou à monter. Et puis, là, on a Miragouane, c'est-à-dire pas dans la capitale, c'est-à-dire pression démographique, pression pour logement. Comme si Miragouane, et puis, bah, là, dans la situation que l'il y a. Et puis, monsieur a fait commentaire sur mairie, pas pour responsabilité, etc. Alors, même ça, on a dit, là, même ça, nous a parlé. Vous comprenez? Donc, il faut que l'État
capable d'agir globalement, c'est-à-dire société, alors c'est ça, la société globale, faut qu'on agir ensemble, que qu'on articulation entre autorités locales et organismes centraux. Vous comprenez? Parce que je veux dire, ou qu'on est par exemple des zones, là où on a implanté pour faire caillou, il y a campé en belligérant. Regardez par exemple ça qui passe après très loin de terre là, dans des zones de Canaan, de Jérusalem, toutes bonnes zones ça, ouais, comme anarchie au niveau de la construction qui fait dans zone ça. Donc mais si pas gon ou l'ordre public, c'est pas l'État, on pense que mairie quoi des bouquets t'es cap pour qu'on te parle comme si empêcher vague de Isaac fait dans zone ça. Et même tout côté au fond national, bon ben quoi dit bon gravine bon garder en garder cité de Dieu. Bon, il y a quelques 20-30 années où songe bon moi-même personnellement. Moi-même qui était habité la rue de Bonpol, avant la rue de Bonpol, la rue de Larac, je me songeais, nous avons joué au football, bon côté, tu as un terrain là d'ailleurs, à côté de servicialisation routière, tu as un terrain tout près, pas chauffeur guidon, tout près et scout d'Haïti. Tout le rabolant, mais assez de mangue, tu as un mangue toujours dans la zone ça. Ça va 5-30 années. Bon, peut-être plus 35 ans d'année. C'est-à-dire que le gros manque, le gros bagaille comme si dans la zone ça. Et pourtant, je dis, hein, bon, regarde, on va regarder des zones côté fait des cités de Dieu, village de Dieu, cité l'éternel, etc. Bon, mais ça, il faut que c'est l'État. Il faut pas avoir l'État, qui a l'ordre public qui lui existe et qui lui-même qui lui accompagne. Schéma global d'aménagement urbain, bah, je dis territoire, je dis d'aménagement urbain, hein, comme si il faut qu'on l'ordre public, et l'ordre public, ça, la justice, la police, ensemble de bails comme ça. C'est-à-dire que seule entité, pas qu'à pour contre lui, supporter Chahisa, même s'il était les mairies. Ok, nous allons finir là, mais il faut garder tout. Nous avons une situation, on a parlé de tremblement de terre, nous avons une situation. En pile, l'appli a tombé, tout côté, c'est pratiquement une grosse inondation. Bio, mine, énergie, bon, ça va dans la responsabilité, mais c'est encore une catastrophe naturelle. En pile victime. Oui, il y a un pile d'appui. Bon, par exemple, dans la circonscription, il y a un pile d'appui. Je sais. Au cas en bas de l'eau. Il y a deux côtés. Non, mais il y a une inondation. Il y a une inondation. Et c'est une dernière là. Bon, heureusement, dans le cas de caravane, nous connaissons que il y a un grand projet de virage de la rivière des Baradères. Depuis ce dernier, nous avons de gros matériel, le gros équipement neuf qui commence à arriver. Hier, comme dans nos réunions avec les responsables de la caravane, et agronome Thomas, ingénieur Marc-Edouard, ingénieur Brunet, qui est responsable chantier virage Baradella, moi-même, vice-délégué Baradella, nous avons une grosse réunion, dans le ministère de l'Agriculture. Côté, nous avons mis les derniers mains, nous avons fait la dernière planification pour que d'ici le 23-24 octobre, que nous lançons officiellement et travaux virage rivière Baradère. Donc là ça pour nous pour rivière il pas passer dans ville là qui sont au danger population que il passer à des kilomètres de ville là. Donc n'a pas avancé. Donc ça travail ça c'est dans quatre caravanes là. Ouais, dans quatre caravanes là. Bon, député Patrick Nozéus, nous pratiquement arrivé dans fin émission. Merci parce que tu as accepté et quand même et en dépit occupation rien et merci parce que tu es mettre disponible je dis pour te recevoir dans l'émission Info Parlement. Merci en pile. Bon, et moi pour remercier Sony, c'est moi pour remercier Télé Guinée et dis merci à tout monde qui t'a suivi l'émission ça et tout monde dans la population qui t'a suivi dans l'émission ça. À la prochaine. Merci, député. N'a pas rappelé, invitez-nous dans l'émission Info Parlement jeudi. C'était député circonscription Baradère à Grand Boucan, député Patrick Nozéus, lycée président commission mine et énergie dans la chambre député. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices Radio Télé Guinée, merci pour fidélité à l'émission Info Parlement, à Télé Guinée en général. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Info Parlement. Au revoir tout le monde.